Les gens sont terrifiés, ils disent « Mais monsieur, si vous m'expulsez, je vais finir à la rue, je vais finir SDF. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là » Ah ben ça, c'est les organismes sociaux. C'est les organismes sociaux qu'il faut impérativement mettre en demeure d'aider les gens. Parce que je pense que lorsqu'on fait une expulsion, très honnêtement, pour l'huissier, c'est un échec. Pour moi, c'est un échec. Une expulsion qui arrive au bout, c'est un échec. Donc tout en amont doit être fait avant la délivrance de la force publique pour que les organismes sociaux puissent reloger les gens qui sont dans la difficulté. Autre chose épouvantable que vous faites, les reprises d'enfants. Je ne sais pas. Alors ça consiste en quoi ? Bon, les reprises d'enfants, c'est lorsque vous avez un divorce et que vous avez des enfants à récupérer, lorsqu'ils sont en bas âge, à la sortie de l'école, à 4 ans. L'une des deux ne veut pas rendre l'enfant. Ne veut pas rendre l'enfant ou que l'enfant a été monté par un parent vis-à-vis de l'autre. C'est terrifiant, vous allez à l'école. Moi, je n'ai jamais, au grand Dieu, et je pense que tous mes confrères font la même chose, repris un enfant de force. Ouais, vous dites... C'est si l'enfant veut venir, il vient. S'il ne veut pas venir, on le constate dans le procès-verbal. Dans les...